Ce mardi 21 mars, dans le 6 à 7 de C8, Kelly Vedovelli a confié avoir mal aux dents. Juste après, dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a appris de ses nouvelles. L'occasion pour elle de ne dire plus sur l'origine de sa douleur. Cette semaine, c'est Valérie Benaïm qui présente le 6 à 7 sur C8. Ce mardi 21 mars, elle était aux côtés de Kelly Vedovelli qui, dès les premières minutes de l'émission, a confié ne pas être au top. J'ai un peu mal aux dents, a-t-elle dit, avant d'ajouter, je parle difficilement, mais ça va. L'animatrice a ensuite repris la parole pour clarifier la situation. Il faut dire aux téléspectateurs, effectivement, elle a un petit souci aux dents et elle est là, professionnelle, et je dis bravo, a-t-elle fait savoir. Vous avez mal à la joue, qu'est-ce ce qui se passe? Kelly Vedovelli a ensuite pris place sur le plateau de Touche pas à mon poste où elle a retrouvé Cyril Hanouna et les autres chroniqueurs. Le présentateur a alors pris des nouvelles de sa chroniqueuse. Ça va vous? Vous avez mal à la joue, qu'est-ce ce qui se passe? Lui a-t-il lancé. Ce à quoi elle a répondu, faisant ainsi référence à sa récente opération, j'ai des dents de sagesse qui partent un petit peu dans tous les sens et ça joint à ma cicatrice, j'ai la tête comme ça. Elle a ensuite fait savoir qu'elle allait les enlever. J'ai été aujourd'hui. J'ai rendez-vous dans un mois. Je suis dans un état, a-t-elle dit. En attendant, pour soulager la douleur, le médecin lui a prescrit des antibiotiques. Cyril Hanouna a veillé à ce qu'elle les prenne pendant l'émission, alors qu'elle souhaitait le faire pendant la coupure publicité. Cyril Hanouna lui aussi touché par un problème de dents un peu plus tard dans l'émission, Cyril Hanouna a raconté avoir dû lui aussi enlever une dent de sagesse. Ça m'a fait comme une crevasse, j'en ai eu pour un mois et demi, a-t-il dit. Depuis qu'elle fait partie de la bande des chroniqueurs de Touche pas à mon poste, Kelly Vedovelli se livre parfois sur son quotidien. Ainsi, le 10 janvier dernier, elle a raconté avoir été menacée par un homme en bas de chez elle. J'ai fait l'expérience d'un homme qui me retrouvait tous les soirs après l'émission à Boulogne. De base, j'habite dans le sud de la France et quand je me retrouvais dans le sud de la France, il était vraiment en bas de chez moi, racontait-elle. À lire aussi c'est une honte, Kelly Vedovelli excédée dans TPMP par les propos de Gilles Verdet sur la fidélité touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application MyCanal.